Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des collabs qui ont été renommés pour cette occasion. On a désormais appelé Open Innovation et collaboration les clés de la réussite. Il faut savoir que historiquement chez Finance Innovation, on a organisé un événement autour des collaborations entre start-up et aussi un événement autour des collaborations entre start-up et grands comptes. On a décidé de fusionner ces deux événements pour mettre en avant les partenariats clés dans notre écosystème. Comme vous le savez, mettre en place des synergies, créer des synergies entre nos membres fait partie des missions principales du pôle, fait partie de celles qui nous tiennent le plus à cœur. Donc on aime à penser qu'on contribue grandement, ou en tout cas le plus possible, à la création de ces partenariats, qu'on est ravis de mettre en avant dans ce genre d'événements et aussi d'autres. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, notamment sur ligne, puisque ceux présents que je remercie d'être venus nous connaissent pour la plupart, on est un pôle de compétitivité, donc une association qui regroupe presque 600 membres, start-up, cabinets de conseil, corporate, institutionnels, tous de l'écosystème financier. Notre grande mission est d'animer cet écosystème pour y encourager l'innovation en son sein, à travers notamment la labellisation dans les 6 filières du pôle, l'accompagnement de nos membres dans leur recherche de financement et aussi au quotidien des événements comme celui-ci et une grande partie axée sur la communication, d'autres initiatives telles que des groupes de travail ou des livres blancs qu'on a organisés historiquement. Donc voilà, comme je le disais, aujourd'hui, on aura le plaisir de découvrir 5 partenariats qui ont été mis en place entre des membres du pôle Finance Innovation, toutes filières confondues, donc les sujets seront très variés sur des formats courts. Je compte sur vous, les intervenants, pour respecter au mieux votre temps de parole. S'il y a des questions, que ce soit en ligne ou dans la salle, n'hésitez pas à les poser. Si elles sont trop nombreuses, je vous inviterai à les poser plus tard, mais on pourra répondre à quelques-unes après chacune des interventions. J'en profite pour remercier Julien Achard qui animera les premières collabs de ce soir. Julien, si tu veux dire un petit mot sur ce que tu fais, et encore merci à toi pour ton temps et l'animation ce soir. Avec plaisir. Merci Hugo. Donc moi je suis Julien Char. J'ai un passé de 20 ans d'expérience dans la banque et j'ai créé en fait il y a un an maintenant un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale liée principalement au transaction banking. Donc on adresse 3 verticales, tout ce qui est lié à l'open banking, DSP2, l'open finance, tout ce qui est lié au commerce international et bien sûr toutes les nouveautés qui sont liées à la blockchain et aux cryptos qui sont très prometteuses. Moi, je suis ravi en fait d'animer cette collab entre, je dirais, grands groupes et fintech, parce que c'est un petit peu mon rôle en fait tous les jours. C'est ce que j'essaye de faire, promouvoir des projets, que ce soit de l'analyse jusqu'au projet, à la réalisation et à la mise en place en fait. Donc pour moi, c'est très important d'être là ce soir. Et je suis très heureux donc d'animer 4 tables rondes. Merci Julien, effectivement, c'est ce qui notre point commun. On essaye de créer vraiment ces synergies, encourager les corporates à bosser avec les fintechs et vice-versa. Je pense que c'est important qu'il y ait des acteurs qui poussent un petit peu ça au quotidien. Sans plus tarder, on va passer tout de suite à la première collab entre Allianz Trade, il ne faut pas se tromper avec le nouveau nom, et Pledge. Messieurs, je vous invite à prendre ma place. Bienvenue donc Gilles, bienvenue Jacques, Olivier. Ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est de vous présenter et puis de présenter un petit peu vos différentes structures. Gilles, on commence par toi. Oui, merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour son. D'accord. Donc je suis Gilles Porte. En fait, je suis aujourd'hui responsable des partenariats et du développement digital au sein d'Allianz Trade, qui est le nouveau nom de Euler Hermes, que certains connaissent donc beaucoup mieux sous ce nom-là. Voilà, donc Euler Hermes, c'est le leader mondial de l'assurance crédit. Donc notre métier, c'est d'aider les entreprises à se protéger contre le risque d'impayé quand elles accordent des délais de paiement à d'autres entreprises. Et au sein de l'équipe Accélération Digitale, depuis quelques années, on travaille sur la transposition de ces modèles en fait assurantiels sur l'e-commerce et sur des sociétés fintech, et on va en parler justement avec Jacques-Olivier, qui gravitent autour de ces activités. À mon tour, donc Jacques-Olivier Schatz, je suis directeur général de Pledge. Pledge, c'est une société qui fait du paiement différé ou du paiement fractionné pour justement des commerçants, des e-commerçants, des marketplaces,
Le principe est assez simple, hein. Quand vous arrivez au checkout dans votre page, vous avez un bouton « Payer en plusieurs fois »,« Payer dans 15 jours »,« Payer à la livraison », »,« Payer avant de décoller ». Ça, c'est notre technologie qui va permettre en fait instantanément d'accorder à des particuliers directement une autorisation ou non, même si on essaye généralement de le faire, de pouvoir avoir cette facilité de paiement et ce en une fraction de seconde. Merci pour cette brève introduction. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant pourquoi et quelle a été l'origine en fait de votre partenariat ? Tu veux que je... Vas-y, allez. Commence. L'origine, en fait, est assez simple, hein, et c'est comme très souvent d'ailleurs. On a des clients qui nous disaient ah, « c'est génial ce que vous faites avec mes clients. Par contre, j'ai quand même un besoin. Est-ce que vous ne feriez pas la même chose pour les professionnels ?» Parce que j'ai finalement une masse de clients assez importante qui sont des professionnels et que nous, aujourd'hui, Pledge, notre algorithme ne sait pas scorer. On a eu aussi d'ailleurs, et on peut les citer, je pense, parce qu'ils sont aussi importants dans notre collaboration, AU Group, qui est un courtier qui est venu nous trouver avec le même besoin, en fait, qui eux aussi nous disaient comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, on n'ait pas encore de choses qui font du BNPL, du paiement différé ou du paiement fractionné avec les professionnels. Et c'est là qu'on s'est retrouvé à se dire, mais oui, tiens, c'est une bonne idée. Et donc, on a cherché s'il n'y avait pas une startup qui, par API, pouvait nous proposer justement assez facilement et de façon complètement fluide de pouvoir répondre à notre problème. Et donc, pour compléter ce que dit Jacques-Olivier, on a fait nous aussi une démarche un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a des clients aujourd'hui qui sont des assurés crédits, qui ont des activités traditionnelles, qui consentent des crédits à leurs propres acheteurs. Et ces sociétés-là, elles se développent aujourd'hui sous forme d'e-commerce, c'est-à-dire qu'elles lancent des plateformes de vente en ligne, elles créent des marketplaces. Et à un moment donné, effectivement, elles nous ont exprimé aussi des besoins en disant « mais est-ce que vous pourriez nous aider à intégrer dans ces parcours de vente en ligne ?» des dispositifs qui permettent de faire crédit au client, de faire crédit à l'acheteur, mais en même temps, nous, de bénéficier d'un paiement immédiat. Et quelque part, c'est aussi, alors je vous disais tout à l'heure en introduction que notre métier, notre cœur de métier, c'est de faire de l'assurance crédit, donc du crédit fournisseur, mais on travaille aussi beaucoup historiquement avec tous les établissements d'affacturage, les sociétés qui font de la titrisation de créances commerciales. Et assez naturellement, on s'est dit, le BNPL, donc ce qu'on nous demande en fin de compte aujourd'hui dans le cadre de l'univers digital, de l'e-commerce, c'est rien d'autre qu'une modernisation, une digitalisation en fait de ces techniques qui consistent à payer immédiatement le vendeur, à transposer finalement la créance sur un établissement financier qui va porter lui le risque de crédit vis-à-vis de l'acheteur. Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est rencontrés. On était déjà en contact avec Pledge depuis 3-4 ans, mais à l'époque, Pledge était vraiment axé sur le B2C, donc sur les activités avec des consommateurs particuliers. Et puis effectivement, comme on était déjà en contact, assez naturellement, on a renoué le dialogue il y a un petit peu plus de 6 mois, 7 mois maintenant, en se disant il y a peut-être des choses à faire ensemble. C'est ça. En fait, le BNPL, ça n'a pas été une révolution en soi, mais comme beaucoup de choses, c'était des choses qui existaient déjà, qui simplement, grâce à la technologie, ont permis d'améliorer l'onboarding des marchands, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait être installé et plugué chez un marchand en quelques jours ou quelques semaines, où avant, il fallait faire tout un projet informatique, faire de la réconciliation comptable, etc. Cette capacité à pouvoir faire de l'assurance, à pouvoir faire du scoring, tout ça dans une expérience client qui est extrêmement fluide. En fait, c'est uniquement ça, ce qu'on a rajouté. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les différentes étapes en fait, de ce partenariat ? Est-ce que ça s'est fait tout de suite, rapidement ? Est-ce que... En fait, comme tout partenariat, on a démarré simplement en étudiant le besoin du client et puis en regardant un petit peu quels étaient nos actifs. Jacques-Olivier vient de rappeler qu'ils savent faire tout le traitement en fait, de l'opération de paiement, tout le traitement du financement, ce que Euler Hermès, enfin Alliance Trade, pardon, je fais l'erreur, ne sait pas faire, n'a pas les outils. Par contre, nous, ce qu'on sait faire, effectivement, c'est scorer en temps réel des risques de crédit, c'est être capable de délivrer par des API en fait, des décisions instantanées qui permettent de s'intégrer justement dans ces parcours digitaux qui exigent aujourd'hui une fluidité, qui exigent une rapidité d'exécution. Et puis on sait faire bien sûr de l'assurance puisque notre métier à la base c'est de l'assurance crédit. Donc on sait à la fois scorer le risque
aider donc Pledge à identifier quels sont les acteurs qui sont éligibles à ce type de, à ce type de crédit. Et puis derrière, si ça ne se passe pas bien, bah, on va jouer notre rôle d'assureur par rapport à l'engagement qu'on aura pris. C'est ça. Et donc, bah, les étapes, hein, en fait, on a essayé de paralléliser en mode fintech, justement, trois streams. Un stream qui était plus légal, de se dire, bon, bah, OK, on a tout un tas de contractualisation à faire entre nous, les types de contrats qu'on va avoir avec les utilisateurs finaux, etc. etc. Un stream commercial, c'est là aussi de se dire, bah, voilà, maintenant que les clients viennent nous voir, comment est-ce qu'on peut démultiplier ça en se disant, bah, demain, on va passer à aller proposer, non plus attendre que les gens viennent nous demander ça. Et bien évidemment, le dernier point qui était un point technique où là, en tant que fintech, on a été très agréablement surpris de voir effectivement que bah, on pouvait avoir aussi des grands groupes qui savaient discuter par API, qui savaient être agiles sur la façon de faire. Donc, ça a été très rapidement de pouvoir monter ça. En fait, ça a pris quelques mois. Très bien. Et aujourd'hui, par rapport à ce constat donc, de ce partenariat, quels sont les avantages à la fois pour vos clients et pour vos deux structures, en fait? Est-ce que vous voyez des avantages par rapport à ce partenariat? Alors, par rapport à nos clients, ben, on répond effectivement aux attentes de, justement, des plateformes e-commerce ou des marketplaces, en fait, qui veulent justement proposer ce type de service à leurs acheteurs, donc capacité de délivrer en temps réel au moment du checkout, donc au moment de la validation du panier d'achat, la proposition de paiement différé ou éventuellement de paiement fractionné, même si le paiement fractionné est plutôt une spécificité pour le B2C. En B2B, on est plus dans du paiement différé. Donc ça, c'est la première, évidemment, réponse qu'on peut apporter. On apporte aussi, par ce dispositif, enfin par le financement que Pledge propose, un paiement upfront, un paiement immédiat du marchand, qui va donc pouvoir, lui, obtenir le cash sans attendre l'échéance du paiement. Bon, et puis, en ce qui nous concerne, Allianz Trade, qu'est-ce qu'on en retire? Ben, on en retire aussi la capacité d'accompagner justement cette transformation de l'économie, cette digitalisation. On a fait le constat vraiment il y a déjà quelques temps que c'est un mouvement inexorable, c'est un mouvement qui se développe et il faut effectivement en faire partie. Et comme le disait effectivement Jacques-Olivier Schatz, on a déjà développé depuis quelques temps des API, on a développé des algorithmes qui permettent justement de s'adapter à ces nouveaux modèles de décision qui nécessitent du temps réel, de la réactivité. Exactement, et de pouvoir effectivement avoir un partenariat gagnant-gagnant, comme souvent quand on fait ça, d'avoir de pouvoir satisfaire nos clients. Hein. Je pense que c'est aussi une vraie volonté en leur apportant une vraie solution qui va venir leur amener à eux, mais aussi amener à leurs clients à eux, puisqu'in fine, pouvoir faire du paiement différé, c'est surtout aussi pour eux pouvoir proposer à leurs clients de pouvoir acheter tout de suite, mais payer plus tard, et donc potentiellement, si ces clients sont des professionnels, de pouvoir revendre ce qu'ils ont acheté avant même d'avoir à le payer, et donc de régler leurs problématiques de trésorerie. Et aujourd'hui, on est dans des moments où justement les problématiques de trésorerie, surtout après le Covid, ça a été extrêmement compliqué. Donc finalement, c'est non seulement un apport en termes de cash, mais aussi en termes de capacité à faire. Et aujourd'hui... Est-ce que vous êtes fixé des KPI en fait sur les prochaines étapes? Est-ce que vous avez par rapport à ce partenariat en fait comment vous voyez le futur? Alors oui, bien évidemment, on s'est donné effectivement une roadmap qu'on va essayer de suivre. Bien évidemment, de se dire il faut qu'on en ait un qui marche bien, ensuite qu'on en ait plusieurs qui marchent bien. Qu'est-ce que ça veut dire bien marcher? Ça veut dire monitorer avant tout la satisfaction client. Parce que quelque part, c'est ce qui fait que ça sera successful, comme on dit. Que chacun soit content, à la fois nos clients et les clients de nos clients. Parce qu'en fait, quelque part, nous, on a deux clients à satisfaire. C'est l'utilisateur final, mais aussi la marketplace ou le site du e-commerçant. Donc, la satisfaction, c'est la volumétrie qu'on va pouvoir générer, bien évidemment. Hein. On fait du business, donc c'est aussi important pour nous de pouvoir monitorer que ça se passe bien. Et puisqu'on est dans un métier aussi de l'assurance et du crédit, c'est de s'assurer qu'on a les taux d'impayés qui reste stable et suffisamment bien monitoré, et effectivement que conjointement, puisque c'est quand même un métier d'assurance qu'on fait, on arrive à s'amener et à s'apporter pour pouvoir avoir une meilleure lecture, pour pouvoir améliorer nos propres façons de prendre les décisions. Donc ça aussi, c'est extrêmement important pour nous dans le partenariat.
On partage tout à fait la même roadmap et effectivement les mêmes ambitions. Notre objectif, effectivement, comme je le disais, c'est ça part d'un constat qui est que ce développement de l'e-commerce est inexorable, il augmente, il s'accroît, que ces besoins de financement de la part des marchands, ils sont importants, que les acheteurs veulent de la fluidité. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de réussir déjà les premiers clients qu'on va pouvoir onboarder et puis ensuite, assez rapidement, de pouvoir distribuer beaucoup plus massivement cette solution. Et enfin, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire un POC entre guillemets avec un client ou deux clients, c'est vraiment demain d'avoir une solution qui soit une solution que le marché peut acquérir. C'est ça, c'est scalable par design en fait. On est à la fois sur Allianz Trade, je vais y arriver, sur Pledge, sur des solutions qui sont justement scalables. C'est-à-dire que demain, s'il y a besoin de passer à l'échelle, on peut faire x10 ou x100 assez facilement. Peut-être un mot de la fin, si vous avez une conclusion sur ce partenariat. Moi, très, très positivement satisfait de la façon dont ça s'est passé, parce qu'effectivement, c'est vrai que parfois, on peut se retrouver avec des grands groupes qui ont des lourdeurs administratives, qui peuvent prendre du temps, ne serait-ce qu'à décider de dire oui, on y va ou non, on n'y va pas. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'était vraiment top parce que les choses ont réussi à avancer très vite. Oui, non, mais du côté Allianz Red, on est aussi très, très satisfait de cette collaboration. Comme je le disais, on a démarré en fait les premiers contacts, c'était il y a 3 ans maintenant, à l'époque où Pledge était encore très axé B2C. Et c'est vrai que les premières discussions, on a pu avoir quelques doutes sur la capacité de basculer sur le B2B parce que l'environnement juridique, l'environnement, les pratiques commerciales ne sont pas exactement les mêmes. Et là aussi, je dirais qu'on a vraiment apprécié les échanges qu'on a eus depuis la fin de l'année dernière où on a vraiment accéléré sur la compréhension du modèle. Enfin, Pledge, en tout cas, vous avez beaucoup, beaucoup évolué et cette capacité pour nous aussi de ce dynamisme, cette flexibilité, cette agilité d'une start-up, pour nous, ce n'est pas une surprise, mais en même temps, c'était vraiment très, très agréable de travailler et d'avancer sur ce partenariat. Merci beaucoup. On prend des questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Oui, merci. Ça marche là ? Ouais. D'accord. J'avais une question en fait sur le planning et le modèle économique de la phase pilote en fait. Le planning pour la phase pilote est relativement simple. C'est on a réussi à trouver un partenaire auquel on a expliqué que ça allait être un pilote et donc qu'il allait y avoir du fine-tuning. Hein. On est en mode start-up donc, et en méthodologie agile. Donc, on refait les derniers réglages en production. Donc, on va, pendant quelques mois, probablement 2 ou 3 mois, faire tourner ce pilote, améliorer les choses, regarder comment ça se passe. Regarder, on en parlait tout à l'heure, les différents KPI qu'on a mis en place pour se dire, OK, est-ce qu'on est là où on veut être ? Et une fois que ça, c'est bon, ensuite, derrière, démultiplier cette solution et pouvoir la proposer à tous nos clients. On a déjà un certain nombre de clients qui nous ont dit, nous, on aimerait bien pouvoir faire du B2B aussi en même temps que le B2C et on en a d'autres et on le disait qui sont déjà en train d'attendre la solution. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Alors le modèle économique. Le modèle économique aujourd'hui, nous c'est le même modèle économique que celui qu'on a sur le B2C, c'est-à-dire on va proposer aux marchands ou à la marketplace un pourcentage du volume de transaction et sur ce pourcentage de volume de transaction elle aura la capacité de choisir si on prend le cas d'une marketplace entre en mettre une partie sur les vendeurs, en mettre une partie sur sa propre marge et en mettre une partie sur les acheteurs. En fait, potentiellement on peut décider de pouvoir mettre une partie et de faire porter une partie comme aujourd'hui c'est le cas avec le e-commerçant qui peut tout prendre et auquel cas pour le client final ça s'appellera du sans frais, 3 fois sans frais, 4 fois sans frais, ou on peut proposer au client de payer une petite quote-part de ça. Voilà, c'est au pourcentage. D'autres questions ? C'est bon, Linus, OK, super. Merci beaucoup. Merci. Merci bien.
Merci à tous les deux. On passe à la prochaine collab entre Regat et Sage. Je demanderai juste aux intervenants, même s'il y a le micro, c'est juste pour la captation, si vous pourrez parler un petit peu plus fort que ceux du fond vous entendent bien, ce sera nickel. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas sûr, mais bon, ça peut servir de support, les slides. On peut les faire glisser. Non, on en a deux pour trois. Okay, d'accord. Donc on va tourner. Donc, j'accueille donc Tristan de Brouquer, et Alexis Renard. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis vos structures ? Je crois que si on fait défiler les slides, ça fera partie du... Donc moi, je suis Tristan de Brouquer. Je travaille chez Sage depuis 4-5 ans. Et je suis Product Marketing Manager, donc en gros chef de marché, sur le marché des experts comptables et des petites entreprises. Donc Alexis Renard, je suis l'un des cofondateurs de Regat avec Laura Pallier, que vous avez peut-être eu l'occasion de croiser. Très bien, je vous propose de commencer directement. Je parle plus fort. Je vous propose de commencer directement. Donc, pourquoi vous avez mis en place ce partenariat? Je crois que ça fait partie du. Si on peut aller même au slide d'après, voilà, qui explique pourquoi. Donc, la première partie du pourquoi, c'est la vision du marché, je crois. Donc, je te laisse parler. Ouais, donc déjà, bon, il y a eu effectivement en préambule déjà d'une vision commune du marché, je dirais qu'on a une solution, nous, chez Sage, qui est Génération Expert, qui permet de faire de la production comptable pour les cabinets d'expertise comptable, qui est une solution qui, on va dire, mature, puisque en fait, elle a quand même un certain âge. Donc, elle a l'avantage de pouvoir avoir une profondeur fonctionnelle très forte sur ce marché-là. Elle est très appréciée, puisqu'elle est, performante, elle est productive. Et elle répond à, en gros, la plupart de l'étendue fonctionnelle qui peut être demandée par un cabinet comptable. On répond à quasiment 100% de tout ce qui sont les réglementations fiscales qu'on peut rencontrer en France. Donc c'est une solution qui a, voilà, l'avantage d'être de bien adresser le marché de manière très pertinente, et qui a l'inconvénient un peu de son âge, qui reste une solution, voilà, qui commence à dater un peu. Voilà, donc nous, notre enjeu chez Sage, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut capitaliser sur cette solution performante, tout en accompagnant le marché avec les évolutions qui peuvent survenir. Voilà, les innovations technologiques qui permettent aujourd'hui de répondre à des cas d'usage avec des collectes automatiques, des restitutions en temps réel, chose que sur lequel Génération Expert peut effectivement pêcher un peu, et c'est là où Regat intervient. Et donc je vais laisser Alexis prendre la main sur Regat. En fait, moi, l'idée est venue de manière très simple. Après la vente d'une société que j'ai dirigée, qui s'appelle MLJet, j'ai voulu fonder une société, et donc je suis allé voir un expert comptable et j'ai dit, bah voilà, je voudrais monter une société et donc travailler avec vous. Et puis on a commencé à travailler ensemble, et j'ai trouvé ça incroyablement frustrant de rien avoir. En fait, j'avais pas d'interface, pas de produit, pas de retour, pas de visibilité sur ce que faisait l'expert comptable. Et donc, l'idée de Regat est venue en disant, il faut, pour les clients d'expert comptable, avoir ce qu'on appelle un client facing, c'est-à-dire une interface où ils peuvent voir leurs factures, leurs règlements et tout ce qui se passe dans la gestion financière de la société. Voilà. Ça, c'est la genèse de Regat. Et on a travaillé pour construire cette interface de manière un petit peu, au début, indifférent, quel que soit finalement le type de production, et petit à petit, naturellement, finalement, on s'est rapproché de Sage, qui était un des acteurs les plus importants du marché, pour dire, essayons de faire le meilleur des deux mondes. Vous avez un outil d'expert comptable qui est extraordinaire, qui est très apprécié, qui permet de gérer toutes les subtilités de la compta française, et vous savez tous à quel point ça peut devenir complexe. Et nous, on a construit cette interface qu'on va pouvoir brancher dessus et qui permet à vos clients de travailler en symbiose avec l'expert comptable. Voilà, c'est l'histoire de Regat. Très clair. Votre marché pour l'auditoire, en fait, c'est essentiellement des cabinets d'experts comptables.
Vos clients ? Alors, pour Génération Expert, c'est les cabinets d'experts comptables. Et pour Régate, on a, voilà, nous quand on prend Régate par l'intermédiaire de Sage, on va plutôt du coup dire au cabinet comptable qui va pouvoir adresser ses petites entreprises, ses clients, qui ça constitue 80% d'un cabinet comptable, c'est plutôt des petites entreprises. Régate intervient aussi sur des dossiers ou des PME un peu plus grosses pour tout ce qui est direction financière. Voilà. Ouais, en fait, le cabinet qui prend Régate, c'est quand même essentiellement pour donner Régate à ses clients. Voilà. Il veut donner Régate à ses clients pour travailler différemment avec eux. Donc, si je fais Régate, et dans les clients d'Expert Comptable, il y a beaucoup de petites structures, des micro-structures de quelques employés, et puis il y a aussi quelques belles PME. Et donc, nous, on va adapter en fait, le fonctionnement de notre outil à la nature du client en le rendant plus ou moins complexe en fonction des besoins. Donc, il y a des périmètres fonctionnels qui sont très différents entre effectivement une boulangerie ou un restaurant et puis une grosse PME. Mais dans tous les cas, c'est avec l'expert comptable qu'on va échanger, travailler et donc avec l'outil de Sage. Très bien. Alors, si donc là, on a vu votre vision du marché qui était commune. Ce que je comprends, c'est que c'est un produit qui est très complémentaire, en fait. Donc, à mon avis, ça doit être le slide numéro 2. Voilà. Est-ce que vous pouvez donc, du coup, nous parler de la complémentarité ? Il a fallu, en fait, quand même créer des connexions, des échanges entre nos deux solutions pour que ce soit vraiment fluide dans le cas d'usage client-cabinet-client. Donc, le premier cas d'usage, c'est effectivement que le côté Régate, il faut que Régate puisse récupérer l'ensemble des paramètres comptables de chaque dossier. Donc, Régate va se connecter à Génération Expert pour récupérer l'ensemble de ces éléments-là. Ensuite, le client va pouvoir du coup travailler sur ses flux bancaires, sur ses flux de factures fournisseurs, sur ses factures de vente, et va renvoyer l'ensemble, ce qu'on appelle en fait de la pré-comptabilité, l'ensemble des données pré-comptables, dans Génération Expert, qui là, le cabinet comptable va pouvoir du coup faire son métier de production et valider, vérifier que toutes les écritures sont bonnes et éventuellement les corriger. Et ensuite, il faut que Génération Expert, une fois que ce travail-là est fait côté cabinet, restitue la donnée côté Régate pour que l'entrepreneur, la PME, la TPE, puisse avoir des indicateurs financiers, des notions d'aide à la décision dans son activité au quotidien. Si tu veux rajouter quelque chose ici. C'est ça. En fait, alors, ce qui est intéressant, je crois, dans le reporting, c'est qu'on a tous les deux fait un effort important pour que ce reporting ne soit pas uniquement, ce partenariat ne soit pas uniquement un partenariat marketing où on met, en fait, on présente deux offres l'une à côté des autres, mais qui n'a pas de réalité pour le client. Voilà, nous, on a fait un travail de plusieurs mois, en fait, pour effectivement faire en sorte que derrière l'accord et la vision du marché, il y a une réalité pour l'expert comptable et que ça fonctionne d'une manière qui est très symbiotique entre les deux outils. C'est la condition. L'expert comptable, il va avoir plusieurs centaines de clients à déployer. Donc, il faut qu'il paramètre un par un tous les clients. Vous voyez un peu le travail que ça va représenter. Ce n'est pas une option qui est acceptable. Et donc, on a énormément travaillé pour faire en sorte que justement ces phases n'existent pas. Et c'est, je crois, un cas de figure qui est unique dans notre métier. Il n'y a pas vraiment d'équivalent d'intégration aussi profonde. Et c'est ce qui fait maintenant que le partenariat marche très bien. Très bien. Et dans le pourquoi aussi, un investissement humain, financier, du marketing et vente important, en fait. Donc, ça doit être le slide d'après. Est-ce que vous pouvez nous montrer la complémentarité sur... c'est celui d'après. Voilà, un niveau d'engagement des deux côtés. Est-ce que vous pouvez... Oui, en fait, pour qu'un partenariat comme ça puisse fonctionner, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un investissement. Bon, il y a eu un investissement produit. Mais derrière, il faut quand même qu'il y ait un investissement marketing et commercial qui soit conséquent et qui dure dans le temps. C'est pas juste, on a fait une annonce et puis les clients vont suivre. Non, derrière, il faut quand même accompagner. Donc, il y a forcément une annonce, un suivi marketing au niveau de tous les supports d'aide à la vente, au niveau des annonces, au niveau des campagnes qu'on peut faire. Et donc, la Sage y met aussi les moyens. Il y a ensuite la formation de toutes les équipes commerciales, puisqu'on met en fait, on va former nos équipes commerciales Sage de manière à faciliter le déploiement, à pouvoir pousser la proposition de valeur de Régate plus Sage.
Voilà, et puis derrière, il y aura tout le suivi. C'est-à-dire, en fait, on va mettre en place, enfin, on a mis en place des récurrences au niveau entre Regate et Sedge, de manière à ce qu'on puisse bien suivre les cas qui remontent, tacler éventuellement les petits problèmes de process qui peuvent survenir. C'est pas toujours simple de travailler avec Sedge, les process sont parfois complexes, et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir suivre ça de manière très proche, pardon, et très fine, de manière à ce que derrière on améliore les process, on fasse monter tout le monde en compétences et que ça puisse se déployer au mieux, sachant que la clé derrière, c'est quand même le, pour que ça fonctionne, il faut que l'onboarding client soit soit vraiment tip top. C'est pas juste proposer ça à un cabinet comptable, on sait que derrière les cabinets, pour que ça fonctionne, il faut que leurs clients utilisent ces solutions là donc on va accompagner les cabinets justement à déployer ça chez leurs clients. Voilà, donc ça nécessite un effort assez assez important pour s'assurer que tout ça tourne bien et que ça puisse être un succès dans le temps. Ouais. Alors, moi je vais juste abonder sur ce que dit Tristan. En fait, nous on est convaincu que c'est en fait on préfère avoir peu d'amis et des vrais que plein de copains. Et bah, dans ce genre de relations et partenariats, en fait, soit on le fait et on le fait bien, ce qui implique quand même un investissement significatif. Alors, à l'échelle de Sedge, peut-être moins qu'à l'échelle de Regate, puisque nous, on est 70 en tout, donc vous imaginez qu'il y a une petite disproportion de moyens. Et on est très content de pouvoir faire ça avec Sedge. Et en fait, de l'autre côté, il y a eu un très, très gros investissement de toute l'équipe pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc, c'est un choix. Mais on est allé au bout de la logique. Très bien, merci. Dans ce partenariat aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes et quelles sont les prochaines étapes? Ben, ça a été lancé officiellement il y a un mois et demi. Ouais, un mois. Donc là, on est en train de recevoir nos premières ventes, on est en train de recevoir nos premiers déploiements. Voilà, donc là, on en est à suivre tout ça. S'assurer que ça se déploie bien, que tout le monde est à la page. Et puis, voilà, donc déjà, la première étape, c'est ça, c'est déjà de s'assurer que ça tourne bien. Et ensuite, on a effectivement en projet d'améliorer les échanges entre Regate et Sedge au niveau produit, de voir aussi des opportunités peut-être sur d'autres marchés. Enfin bon, voilà, c'est. Allons, chaque chose en son temps. Commençons déjà par bien faire ce qu'on s'est promis de faire. Et Alexis ? Je veux juste rajouter qu'on a signé 5 cabinets en 2 jours, ce qui est absolument exceptionnel sur notre marché. Donc, ça, pour nous, c'est une magnifique opportunité. 5 cabinets majeurs en plus, peut-être même un 6e aujourd'hui. Donc, c'est très au-delà de nos attentes les plus importantes sur le sujet. Donc, c'est assez super sympa de voir qu'il y a une énorme traction et qu'en fait, tout ce qu'on a fait ensemble, ça a été pas loin de 7 mois de boulot super intense, commence à donner des résultats qui sont très impressionnants. Merci. 15 minutes, ça passe vite. Une petite conclusion rapide. Vas-y. Un mot, deux mots. Merci à Tristan de supporter dans le développement de Regate. Non, c'est un plaisir de travailler avec Regate. Une belle collaboration. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Alors, la question est, est-ce que Sedge a la même stratégie de collab sur la solution Sedge X3 ou X3 grand compte pour des applications métiers connexes type audit, contrôle automatisé? Ouais, alors c'est un peu ce qu'on disait à demi-mot. C'est pour l'instant, travaillons déjà avec Génération Expert. Voilà, il y a d'autres marchés chez Sedge. C'est, voilà, c'est des discussions qui vont arriver. Pour l'instant, il n'y a rien avec X3, mais bon. La porte n'est pas fermée, c'est ce qu'il faut, non, c'est ce qu'il faut du retenir. Tout, du tout. Est-ce qu'on en a d'autres dans la salle? Merci beaucoup. Est-ce que les experts comptables, ils facturent à leurs clients ou ils incluent ça dans leur service? C'est leur choix, madame. En fait. De manière générale, en fait, il y a plusieurs étages dans Regate. Donc, il y a un premier niveau de fonctionnalité qui est limité. Je pense que majoritairement, ça ne sera effectivement pas facturé. Donc, pris en charge par l'expert comptable.
avec un bénéfice tout simple, que les écritures vont redescendre automatiquement dans le logiciel de comptabilité. Donc, ils ont un gain de temps qui est très important de leur côté. Bon. Ça, c'est le premier étage. Après, il y a des fonctionnalités qui vont être un petit peu plus complètes, du paiement par carte de crédit, etc. Très probablement que ça sera un équilibre, mais le premier étage est, de manière générale, pris en charge par le cabinet. Cela dit, c'est son choix, en fait. En vrai, il peut le faire payer, pas le faire payer. Je dirais que nous, ce n'est pas réellement notre problématique. Ah, merci beaucoup. C'est super intéressant, je trouve. Okay. Merci, merci messieurs, notamment pour le respect du timing. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine collab qui est un petit peu particulière puisque c'est une fintech qui en a racheté une autre et les deux qui ont fusionné. Donc on a un sujet sur un sujet un petit peu différent. C'est pour ça qu'on voulait le mettre en avant ce soir. Merci, donc je suis ravi d'accueillir Maxime et Martin qui sont à côté de moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Parce que c'est vrai que cette collaboration, elle est un petit peu particulière, hein. C'est une sorte de fusion. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis Maxime Di, cofondateur de Time. Donc on est 6 cofondateurs. Time, on a un outil qui est assez, assez hybride et complet. L'idée, c'est vraiment de simplifier l'entrepreneuriat au sens large. Donc, c'est une plateforme pour l'expert rentable et pour le client. Côté expert rentable, c'est un outil essentiellement de pré-compta, mais qui permet aussi d'aller jusqu'à l'alias et qui permet aussi d'avoir des intercos avec d'autres outils de production. Et côté entrepreneur, en fait, c'est un outil qui va permettre de faire ses factures, qui va permettre de suivre sa trésorerie, qui va permettre de suivre ses reçus et qui s'ajoute à une fonctionnalité de compte professionnel, donc avec tout un tas de fonctions de paiement qu'on peut retrouver. Voilà, donc quelque chose de très simple côté entrepreneur, dispo sur mobile, et quelque chose d'assez puissant côté expert comptable. Et bonjour à tous, Martin Jacquemin. Donc moi, je suis président et cofondateur de Mii. Mii, on l'a monté en 2020 en partant d'un constat simple. On avait beaucoup de copains entrepreneurs. Ils n'en pouvaient plus de la paperasse. Ils n'en pouvaient plus de l'administratif. Quoi. C'était une plaie. Et ce constat, en les aidant, en commençant à construire quelque chose, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était parce que le service de l'expert comptable n'était pas au niveau. Ils attendaient des choses de la part de l'expert comptable, mais ils ne le faisaient pas. Et du coup, on a construit Mii avec le même esprit que Time. Donc vraiment, ce que Maxime décrit, c'est la vision qu'on a, c'est ce qu'on a construit. Mais on était beaucoup plus orienté sur la gestion, la collecte des flux, la gestion documentaire et la relation client. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous vous êtes rencontrés, parce qu'on en a un peu discuté et j'ai trouvé ça... Alors, on se connaissait un petit peu de nom, comme tout concurrent qui se respecte, qui allait renifler un petit peu le site et le produit de l'autre. La rencontre concrète, elle s'est faite à la grand-messe des experts comptables, donc en congrès, où là, bon, on a eu l'occasion d'échanger, comme on peut échanger des fois avec certains éditeurs. On a eu un bon feeling, des bons échanges. Même si l'objet de la discussion ne portait pas forcément sur la situation actuelle. Et puis voilà, quelques mois se sont passés puisque on surfe un peu sur ce gros événement qui est le congrès des experts comptables. Et donc en janvier, on est amené à se rediscuter parce que voilà, de l'eau est passée sous les ponts. On a rencontré un certain nombre de succès, un certain nombre de points de convergence où finalement on s'est dit vous avez des problèmes que nous on n'a pas forcément et réciproquement. Et donc là, assez naturellement, on se posait la question sur la meilleure façon de travailler ensemble pour résoudre tous les problèmes qu'on pouvait avoir et justement se nourrir des forces de chacun. Et donc c'est ce qui nous a amené à cette acquisition courant mars. Et aujourd'hui, très concrètement, ça s'est passé très vite, hein, on aura l'occasion de détailler si nécessaire, mais les équipes ne font qu'un et ça s'est passé de façon très, très rapide, très transparente. Il n'y a pas eu besoin de chambouler grand chose finalement pour que la mayonnaise prenne vite. Non, non, pas grand chose. Hein. Simplement que, effectivement, ce qui m'a marqué quand j'ai rencontré Time au congrès, c'est qu'on a commencé à discuter avec Maxime. Et en fait, on partageait la même vision. Voilà.
Ok. Donc, alors, il y a la taille déjà qui est différente, hein, plutôt Time, grosse structure, Mi, 7 personnes, je crois. C'est ça, nous on était 7, Time est 160, donc c'est quand même beaucoup plus important que nous. Oui. Ouais. Et je crois qu'il y a une forte complémentarité en fait au niveau des équipes, que ce soit au niveau, enfin si vous pouvez nous parler de ça. Première chose, il y a déjà une notion de seniorité, d'âge. Donc Mi était plus expérimenté, beaucoup dans le SI, là où Time a beaucoup plus de jeunes et beaucoup plus de métiers. Et c'est des gens qui connaissent parfaitement le métier de l'expertise comptable, qui sont beaucoup plus d'ancienneté. C'est leur grande force. Time, c'est un outil qui était historiquement, l'image leur colle encore à la peau, et un outil de trésorerie, de gestion de comptabilité de trésorerie, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Et Mi lui avait une approche engagement. Donc ça, de comptabilité d'engagement, qu'on leur apporte. Et la culture de Mi, enfin, c'était une culture d'interconnexion. On travaille énormément sur les interconnexions, sur les outils extérieurs. Et c'est ça qu'on apporte également à Time. Oui, voilà, il y a ce sujet dans les apports. Il y a clairement ce côté humain, finalement, où nous, ça nous a permis de nous structurer, même si on était plus gros. Ça ne reste pas gigantesque, mais au final, on a eu... Je ne vais pas dire qu'on a doublé de taille quasiment tous les ans, mais on n'en est pas très très loin au final depuis 2015. Et forcément, il y a un moment, c'est quand même très intéressant de pouvoir ramener du top management ou du middle management à plein de couches. Donc ça nous a beaucoup apporté. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis, il y a l'aspect aussi techno, où ils avaient des vraies avances sur certains aspects qui étaient nécessaires aussi pour notre avenir et les perspectives qu'on avait. Très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par rapport au marché, quel a été l'accueil du marché quand ils ont vu que vous vous rapprochiez ? Parce que je comprends que c'est très concurrentiel. Ouais, c'est un marché où il y a à la fois qui est en plein boom, je pense, et qui est là aussi en phase de structuration, de maturation, avec des nouveaux acteurs qui sont arrivés, avec des prédateurs aussi qui sont arrivés. Donc il y a beaucoup d'ébullition sur ce marché qui est resté relativement stable pendant quelques décennies. Et ce qu'on a constaté quand même, c'est que en tout cas nous, notre rapprochement, l'acquisition a été excessivement bien perçu par nos clients déjà respectifs. Et puis par le marché de manière générale, qui voit d'un bon œil le fait que deux acteurs qui faisaient des on va dire modestement des bons produits décident de travailler ensemble plutôt que d'être dans une logique de se tirer dans les pattes, et ça nous a conforté dans le bien fondé de la démarche, et les clients ils sont impatients de voir encore plus de les fruits de cette collaboration. Donc non, un accueil, je pense, qui a été très très bon en termes de retombées qu'on a encore aujourd'hui. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'est parfait. Ok. Quelles pourraient être les prochaines étapes ? Est-ce que du coup, sur ce marché, vous avez potentiellement des acteurs que vous regardez un petit peu de la même façon ? Est-ce que comment vous voyez un petit peu l'avenir, je dirais, votre avenir finalement ? Question difficile, tu vas répondre. C'est moi qui commence. Je pense que déjà, à court terme, il faut qu'on se structure. Ça s'est très bien intégré ensemble, mais on a une première phase d'intégration de nos outils ensemble, de nos technos ensemble. Et on a quand même une forte croissance, donc on a ça à absorber. Donc c'est vraiment de la stabilisation. On a un événement important qui arrive. Je pense que nos amis de Regate et de Sage sont au courant. En septembre, on a le congrès de l'ordre. Donc c'est ça aujourd'hui notre chantier court terme. Et demain, on regardera probablement à déjà améliorer, à compléter notre offre. Et puis peut-être avec d'autres partenaires. Oui, voilà, exactement. On a déjà alors. Pour le coup, chez Time, on a une richesse fonctionnelle qui est déjà très très grande, ce qui justifie aussi les effectifs. Mais c'est vrai que du coup, la roadmap, elle est déjà bien longue. Donc le but pour nous, c'est de continuer à développer le produit tout en maintenant un haut niveau de satisfaction client. Et ce sera, c'est vraiment ça l'enjeu numéro un.
Et puis ensuite, dans l'enrichissement des produits, nous, il y a la brique juridique qui nous a été régulièrement demandée sur cette année. Donc, on a décidé de lancer. On aura une brique spécifique qu'on pourra lancer en septembre à partir de là. Donc voilà, déjà ça. Puis, par la suite, continuer à déployer le produit et augmenter notamment toute la partie performance et la partie bancaire. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en conclusion ? Non, globalement, c'est vrai que nous, c'était pas forcément dans notre philosophie initiale, même si on n'est pas dogmatique en la matière, de se dire, on va absolument absorber des concurrents. Et voilà, c'était pas forcément une fin en soi. Et en même temps, on ne regrette pas du tout parce que l'opportunité s'est présentée et on en tire des bénéfices aussi. Donc c'est vrai que s'il y a d'autres acteurs qui s'interrogent sur cette éventualité-là, nous, on ne saurait que confirmer que ça peut avoir beaucoup de sens. Oui, nous, on est ravis de ce rapprochement. Je pense que ça se passe très bien. C'est une excellente surprise parce qu'effectivement, on ne sait jamais où on se lance. Et puis, ce qui nous motive, c'est que tous les matins, on se lève pour simplifier la vie de l'entrepreneur. Et ça va nous tenir quelques années. Ouais. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Si on n'a pas de questions, une question, vous avez dit que l'intégration s'est très bien passée. Est-ce qu'il y a eu un point de friction en particulier pendant le rapprochement, soit sur les montants, les conditions, ou voilà, quelque chose qui a eu été un point un petit peu bloquant ou un petit peu plus compliqué dans les négociations ? Vous pouvez dire non. Non, étonnamment, il n'y a pas eu de point de friction là-dessus. Je pense qu'on a des caractères qui font qu'on arrivait à discuter sereinement. Donc, on n'a pas eu de problème là-dessus. Le reste, ça s'est fait d'un point de vue contractuellement assez rapidement. Hein. Je n'ai pas eu des discussions pendant 6 mois. Hein, globalement, en un mois de temps, ça s'est clafté. Et puis, la mise en route opérationnelle a été très rapide aussi. Non, il n'y a pas eu de friction. On était tous les deux, les deux entités vraiment en phase, que ce soit sur l'ensemble de leur fondateur comme du nôtre. Donc à partir de là, ça s'est vite et bien passé. Quand on dit, par exemple, Mihi collecte les données de facturation ou bien aide les comptables en temps réel, c'est vu quel logiciel ou bien c'est vu quelle technologie émergente ? Est-ce qu'il y a de l'IA ou bien autre chose ? Merci. Bien sûr. Alors, c'est un agrégat de techno puisque vous avez de la récupération des relevés bancaires. Donc là, il y a de l'API, il y a du mandat IBIX, il y a du scrapping. Donc ça, c'est pour la partie relevé bancaire, mais il y a aussi toute la partie documentaire où, alors pour les factures de vente, il y a des technos d'OCR typiquement, il y a des technos aussi de partage, il y a des technos encore de scrapping documentaire. Donc ça, c'est pour toute la partie collecte. Et enfin, il y a des algos qui traduisent, qui vont extraire la métadonnée et surtout essayer de la traduire en données comptables ou en données de gestion. Donc, comment je sais que cette facture, ça correspond à, je sais pas, du petit équipement ou de la fourniture. Voilà. Et ça, c'est effectivement de l'IA chez nous, en partie, renforcée aussi par des équipes de data managers. Et c'est une dizaine de moteurs qui travaillent à la détection de ces données-là. Ouais. Merci à tous les deux. On va passer... On va passer à l'avant-dernière collab entre Natixis et Wifin. Côte à côte. Vous étiez... Merci. Bonjour. Donc, je suis ravi d'accueillir Mara et Grégoire. Avant de commencer, un petit disclaimer. Je vais le lire. Donc, les analyses et les opinions mentionnées lors de cette table ronde représentent le point de vue de l'auteur référencé.
elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Les analyses et opinions exprimées par des tierces parties sont indépendantes et ne reflètent pas nécessairement celles de Natixis Investment Managers. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Merci pour ce icebreaker fantastique. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter et puis de nous dire un petit peu pour quelle entité et structure vous travaillez. Maintenant que le disclaimer a été prononcé, je peux vous dire que je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, je m'appelle Grégoire Hugues, je suis le CEO de WeFin, qui est une startup spécialisée sur la finance durable. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mara Popescu, je suis ingénieur financier chez Natixis Investment Manager et responsable de projets dans le cadre de notre initiative digitale Asset Studio. Et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de nous détailler un petit peu votre solution. On sache un peu de quoi on parle. Ouais, donc comme je vous le disais, on est spécialisé sur la finance durable. La mission de WeFin, c'est d'accompagner les investisseurs professionnels, donc ça peut être effectivement des gestionnaires d'actifs comme Natixis Investment Manager, à déployer des stratégies de durabilité ambitieuses. Ça veut dire qu'en fait, dans notre ADN, on va vraiment essayer de se positionner aux antipodes du greenwashing. En tout cas, on va essayer. J'espère qu'on réussit. Le but pour nous, c'est de faire en sorte que les investisseurs aient les armes technologiques, d'expertise, pour pouvoir naviguer avec les données environnementales et sociales le plus efficacement possible. Alors, en ce moment, on a une grosse dynamique, nous, sur notre plateforme. On vient de lever 2 millions auprès de deux investisseurs impact, ce qui est un petit peu atypique pour une fintech. C'est rare d'être accompagné par des investisseurs du monde de l'impact, mais ça traduit vraiment notre volonté à nous d'essayer de changer durablement la finance et puis aussi de faire ce qu'on prêche. WeFin, c'est bientôt une entreprise à mission. On a par exemple 50% de femmes au board. On essaye d'appliquer la durabilité aussi à notre construction d'entreprise. Et alors, en fait, en discutant avec des investisseurs, dont Natixis, on s'est rendu compte que, pour ceux qui sont un petit peu étrangers sur ce marché, faire de la durabilité quand on est un investisseur, ça veut dire se baser beaucoup sur des données, les fameuses données ESG, environnement, social, gouvernance. Et souvent, on se dit, il n'y a pas de données ou on n'en a pas assez, donc du coup, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à travailler. Mais en fait, la vraie problématique des investisseurs, c'est d'essayer de les comprendre, ces données-là, d'arriver à les utiliser avec pédagogie. Et c'est ça le problème qu'on essaye de résoudre. Donc, pour faire ça, notre produit, c'est une plateforme technologique, une plateforme SaaS qui s'appelle ESG Connect. Et elle va faire trois choses. La première, c'est qu'on va intégrer tout type de données environnementales et sociales. On a vraiment une architecture ouverte pour pouvoir faire ça, pour ouvrir un champ des possibles auprès des investisseurs. Se dire que si on a envie de faire plus, on peut. Ça ne va pas coûter plus cher. On a technologiquement prévu une interface là-dessus. Et puis, on va aider les investisseurs à créer des stratégies les plus ambitieuses possibles, concrètement créer leur propre KPI, leur propre métrique, se réapproprier les données environnementales et sociales, dans un but final, se dire que le client aura des reportings plus pédagogiques, plus complets, et que ça va permettre finalement de fournir une transparence totale sur toute la chaîne. Très clair, merci. Mara, peux-tu nous dire pourquoi vous avez mis en place finalement ce partenariat, en partant peut-être du projet Asset Studio ? Tout à fait. Alors, le projet Asset Studio représente la plateforme digitale de Natixis Investment Manager que nous avons lancée cette année. Donc, c'est une plateforme innovante qui met à disposition de nos clients des fonctionnalités avancées en matière de construction, d'analyse et d'optimisation de portefeuille. L'objectif de la plateforme est d'équiper nos clients, donc c'est des institutionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, des banques privées ou des corporates, avec un outil global digital pour simplifier leur parcours d'investissement. Les fonctionnalités de la plateforme sont multiples et donc elles vont de la visualisation des indicateurs financiers clés d'un portefeuille à la restitution des indicateurs ESG et climat, en passant par l'analyse, le suivi des portefeuilles, la recherche des fonds, la simulation des stratégies de couverture ou bien la création et la valorisation des produits structurés complexes.
Le côté innovant de cette plateforme repose sur deux éléments essentiels. Le premier, c'est la technologie Best of Breed que nous avons déployée à la base d'Asset Studio, qui repose sur les capacités d'un cloud AWS externe sécurisé pour les données de nos clients. Et deuxièmement, c'est le partenariat que nous avons mis en place avec cette fintech innovante que nous avons sélectionné grâce à leur expertise dans leur domaine d'intervention. Et compte tenu du fait que la dimension ESG est au cœur d'Asset Studio, nous avons intégré WeFin dans cet écosystème innovant grâce à leur expertise dans les problématiques de la finance durable et notamment dans les enjeux liés à l'intégration des données ESG, leur contrôle et leur gestion. Voilà en quelques mots notre plateforme. Très bien. Grégoire, peux-tu nous dire, toi, quel a été le point de départ finalement ? Ouais, alors nous, on a eu la bonne idée et le bon timing de lancer notre première version de plateforme, notre premier MVP, à peu près en mars 2020. Alors, c'était un super timing. Donc, on était très concentrés sur notre plateforme, nous aussi, comme tout le monde. Le Covid est arrivé. Et en fait, du coup, on n'a pas vraiment pu la pitcher. J'ai annulé tous mes rendez-vous de prospection. Et ça a changé. C'était une période très particulière. Ça a changé les habitudes de tout le monde. Au final, nous, on s'est mis aussi à prospecter différemment. Pour être franc, on a un peu envoyé des emails au hasard aussi. On est allé démarcher directement le COO de Natixis Investment Manager, Joseph Pinto, qui lui aussi changeait ses habitudes à l'époque de mise en relation et qui a accepté de discuter avec nous. Finalement, c'est un peu ce concours de circonstances covidesque qui nous a permis de rentrer en contact. Et c'est lui, parce qu'il cherchait des solutions innovantes justement sur l'ESG pour ses équipes, qui nous a réintroduit auprès des experts ESG, auprès de Mara, auprès des autres équipes qui ne sont pas là. On a les Anglais aussi qui nous ont beaucoup challengés. C'est vraiment ça le point de départ. Et après, effectivement, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé dans le projet Asset Studio et qu'on a rencontré, et je pense que ça c'est clé, lors d'un partenariat entre une fintech et un grand groupe, on a trouvé des équipes qui avaient un besoin, effectivement, auquel on pouvait répondre. Effectivement, là, chercher des solutions sur la durabilité, sur les données ESG, etc. Et surtout l'ambition de changer leur process interne, d'avoir le plus de fluidité possible. Donc, ils n'avaient pas peur de se lancer avec une fintech. À l'époque où on a commencé notre partenariat, nous, on était 10. C'était aussi le début, il y avait tout à faire. Et donc, forcément, ça peut faire peur et ça fait moins peur quand on a envie de bouger les lignes et puis effectivement d'amener plus de durabilité chez Natixis IM aussi. Très bien. Mara, peux-tu nous rappeler les différentes étapes du POC en interne pour atterrir finalement au bon use case ? Donc, nous, on n'a pas eu peur de nous lancer dans le partenariat avec vous. Donc, le POC a démarré, on a démarré avec ce POC, donc une phase d'expérimentation qui nous a permis de comprendre les services proposés par WeFin et de connaître les fonctionnalités de la plateforme ESG Connect et aussi d'échanger avec vos experts sur les sujets finances durables. Le POC, on l'a organisé en interne à travers des ateliers collaboratifs avec toutes les équipes qui ont été impactées, donc notamment l'équipe des experts en ESG, l'architecture, bien évidemment, la sécurité, le juridique, la technologie, pour définir un use case, faire le cadrage de cet use case et ensuite lancer l'implémentation en mode agile. Notre besoin a été clair au début de ce projet. On se posait la question comment intégrer et consolider des données ESG qui sont multiples, qui sont hétérogènes, afin de les intégrer dans notre outil d'analyse de portefeuille et d'automatiser les restitutions. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase de production avec WeFin et le fait de travailler avec eux en partenariat nous a permis d'accélérer nos analyses de portefeuille et ça représente une vraie valeur ajoutée pour nos équipes ESG qui travaillent sur ces sujets. Oui.
rajouter un petit mot, parce que c'est vrai que Mara et ses équipes ont eu quand même beaucoup de courage pour lancer tous ces POC. Et c'est vrai que c'est hyper efficace de notre point de vue. On a pu rencontrer plein d'équipes différentes qui avaient plein de besoins différents jusqu'à effectivement arriver à ce... Atterrir sur le bon use case. Atterrir sur le bon use case, effectivement. Ouais. Et ça, pour nous, c'était précieux aussi pour pouvoir continuer à construire notre solution. Il ne faut pas oublier que la finance durable, même si tout le monde en parle, ça reste un sujet qui est nouveau. Personne n'a la prétention de savoir exactement ce qu'il faut faire avec les données environnementales et sociales pour créer une solution parfaite. Mais justement, ici, innover ensemble nous a permis d'essayer de nous rapprocher de la perfection. En tout cas, on essaye de créer quelque chose qui soit le plus ambitieux possible. Merci. Et quelles sont les prochaines étapes et les perspectives de votre partenariat? Parce que tu en as un petit peu parlé. Mais... Non, c'est vrai que l'étape à laquelle on est aujourd'hui, où justement on peut analyser les portefeuilles de Natixis ICM, enfin des clients de Natixis ICM dans la plateforme pour leur permettre de déployer finalement un reporting beaucoup plus transparent et efficace auprès du client final, parce que c'est ça le but, c'est d'aller atteindre le client final, c'est effectivement un très bon point de départ. Alors il faut savoir que dans la durabilité, il y a également énormément de réglementations qui sont en train d'arriver au niveau de l'Europe, en France, il y en a encore plus. Et ces réglementations, c'est une super nouvelle dans le sens où elles vont permettre de donner encore plus de transparence, elles vont forcer à faire. Alors, nous, WeFin, on est avec notre plateforme une place assez naturelle justement pour aider des acteurs comme Natixis ICM, aider les gestionnaires d'actifs à répondre à ces besoins réglementaires, parce que quelque chose qui serait très négatif, ce serait que ces réglementations empêchent de faire de la durabilité, où on se dise « Ah, c'est trop cher, je ne veux pas faire » ou « Il va falloir que je réduise mon ambition parce que je ne me sens pas légitime ». Et donc, nous, au contraire, on veut encourager à mieux faire et la plateforme, elle est là pour ça. Et puis, cette réglementation, quelque part, c'est aussi un prétexte. Parce que à partir du moment, pour dire deux, je ne veux pas faire un cours de réglementation parce que ce serait, il est trop tard pour ça, mais ces réglementations, une de leurs caractéristiques, c'est qu'elles forcent à publier beaucoup d'informations. Et donc, au final, elles créent une nouvelle zone de compétition entre acteurs. Et donc, pour nous, c'est aussi un prétexte dans le sens où l'enjeu n'est pas juste de bien faire et de répondre aux réglementations. L'enjeu, c'est de mieux faire et d'être capable justement d'apporter plus au client final, de lui apporter plus de KPI, de meilleure qualité. Quand on dit meilleure qualité, c'est compréhensible. Et que lui puisse justement se dire « Ah bah, voilà, moi, j'ai réussi mon boulot. Si effectivement, un jour, un client de Natixis ICM revient en disant « J'ai eu une information de qualité » et mieux que ce que je peux trouver à côté du point de vue de la durabilité. Ok. Ce que je comprends, c'est que votre collaboration s'est très, très bien passée. Un petit mot de la fin, si vous aviez une conclusion. Notre objectif est de continuer le partenariat avec WeFin, qui nous permettra d'enrichir encore plus notre base de données extra-financières et de permettre à nos clients d'avoir encore plus de transparence sur les reportings, les analyses de portefeuille qui sont réalisées. Et tout cela s'inscrit dans notre engagement constant de les accompagner nos clients dans la mise en place de leur politique d'investissement responsable et les accompagner à bien respecter les nouvelles réglementations qui vont arriver. Donc, il nous reste encore du travail à faire, je pense. Merci beaucoup. Merci. Pour vous remercier pour l'invitation, et nous aussi, effectivement, on est ravis de pouvoir continuer ce partenariat avec Natixis ICM. C'est précieux pour nous d'avoir des clients qui ont envie de faire mieux et de faire plus. Ça fonctionne à deux, ce genre de choses. Et en tout cas, s'il y a des questions, on y répondra avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Merci à WeFin et Natixis. Merci à Julien Achard aussi. On peut aussi te remercier pour l'animation
de ces quatre collabs, dans le sens où on a bien vu que, que les startups aujourd'hui, ou que ce soit des fintech, des insurtech, des regtech, apportent vraiment une nouvelle fraîcheur, une nouvelle dynamique au sein de cet écosystème financier, que ce soit de l'innovation UX, process, data, open API. Voilà, ça apporte une nouvelle fraîcheur au sein de ces sociétés, de ces corporates qui animent cette belle société française. Sans plus tarder, je vais appeler Amélie Combes, donc manager auprès de Herdia. Bonjour. Oui. Manager chez Herdia. C'est les aléas du direct. Je suis désolé. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes? Oui, tout à fait. Alors, le cabinet Herdia, justement. Ravi d'être là ce soir. Donc, je suis consultante et manager chez Herdia. Herdia, c'est un cabinet de conseil et un lab digital. On construit des solutions et on accompagne nos clients qui sont des acteurs de l'assurance et de l'immobilier dans leurs enjeux de transformation, qui sont évidemment assez nombreux. Et je crois que ce qui nous réunit ce soir, et c'est une valeur assez forte chez Herdia, c'est on est convaincu de la valeur qui peut être générée dans la mise en place de relations ouvertes avec son écosystème, à condition que ce soit bien fait. C'est pas toujours évident. On y travaille au quotidien avec passion. L'enjeu, c'est de bien trouver les synergies entre les parties prenantes. Et du coup, en parlant de synergie, je suis vraiment ravi de pouvoir introduire Anne et Virgile qui vont nous parler de cette relation entre Alliance et Testamento. Voilà. Bah, écoutez, très belle transition. Je peux vous accueillir, allez-y. Donc, bonsoir Anne, bonsoir Virgile. J'ai évoqué le mot de synergie, hein, je crois qu'on l'a évoqué ensemble. Est-ce que, alors évidemment, vous pouvez vous présenter rapidement et puis surtout nous raconter qu'est-ce qui a généré, qu'est-ce qui a suscité la relation entre Alliance et Testamento, comment vous avez défini le cas d'usage, comment tout ça s'est mis en place? Je démarre, Virgile. Donc, je suis Anne Lamotte. Je travaille chez Alliance en charge à la distribution de tout ce qui est le développement des gestions des réseaux. Et préalablement, j'ai été écosystème leader de tout ce qui s'appelle Mon Avenir, donc tout ce qui est lié finalement à la protection et à l'optimisation des revenus de nos clients. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé avec Virgile. Alors, je pense que le premier point de départ, c'est que Alliance investit dans des startups, mais aussi les accompagne à travers un accélérateur qui est à Nice. Et pour nous, c'est une vraie stratégie. C'est un vrai point sur lequel nous intervenons dans notre rôle d'acteur de la société pour être dans l'économie réelle, pour soutenir, mais avec un point fondateur qui est que nous accompagnons les startups, que ce soit financièrement ou dans ce qu'on peut leur apporter en termes de logistique, dans l'accélérateur ou de compétences, quand on a des synergies. Et c'est un mot extrêmement important pour nous. Quand on parle de transformation, je pense que c'est un des mots clés. Je partage totalement ce point-là avec vous, Amélie, avec toi, Amélie. Synergie. Donc, voilà, quand Testamento, on a rencontré Testamento, on s'est dit finalement, par rapport à la proposition de valeur des solutions existantes, qui étaient aussi en construction, et ça, c'est un point aussi important, est-ce que nous pouvons trouver des éléments qui puissent nous différencier, qui puissent nous apporter? Et puis nous, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi à Testamento? Parce qu'en fait, c'est un échange. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de notre politique de distribution, alors il faut dire qu'on avait déjà des solutions sur la partie clause bénéficiaire, hein, puisque c'est la partie de produits sur lequel on travaille. Pour nous, c'était l'occasion de se poser la question finalement de comment créer du flux. Alors, je vais parler pas mal de distribution, du flux, à travers une clause bénéficiaire qui est un conseil. Et donc finalement, les valeurs de nos réseaux, c'est proximité et conseil. Comment je peux apporter de la proximité du conseil, créer donc des opportunités d'échanger avec mon client ou au moment de la vente, d'apporter un conseil supplémentaire sur cette partie qui est extrêmement importante dans la transmission. Et la solution de Testamento nous paraissait être un bon levier pour nos réseaux. Et donc, voilà comment on a abordé la synergie possible avec la solution de Virgile et de son équipe. Première étape, donc la validation, on va dire, d'une synergie. Ensuite, le choix du cas d'usage. Comment se met en place le POC?
Donc, bonjour à tous, c'est Virgile Delporte, Testamento. Donc, nous, on a commencé, pour information, Testamento, il y a quelques années, par apporter une innovation en Europe qui est le testament en ligne. Et quelques années plus tard, on a un ensemble de logiciels pour le secteur de l'assurance, et dont une solution qui s'appelle Beneficiary sur les clauses bénéficiaires. Une fois qu'on a identifié ces synergies, qui d'ailleurs sont réelles et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a vraiment, nous, quand on a aussi fait notre levée de fonds, on est allé chercher des partenaires qui comprenaient ce qu'on faisait. C'était absolument essentiel. On ne cherche pas juste un investisseur financier, notamment quand on arrive dans un nouveau segment, on arrivait vers une bascule B2B, donc on avait besoin d'être accompagné pour ça. Donc, si on reprend un petit peu l'idée du projet, le déroulé du projet, en février 2020, on se dit, allez, go, on va faire un POC. Hein, POC, Proof of Concept. Le POC, en fait, la première chose à faire, c'est vraiment le cadrer, de l'organiser. Donc, on réunit les équipes, on travaille sur la mise en place de l'outil tel qu'il existe aujourd'hui et on définit la cible. Parce qu'évidemment, la solution telle qu'elle est, surtout à cette époque-là, elle ne répond pas à 100% aux besoins d'Alliance, étonnamment. On développe des éléments spécifiques et on met en prod assez tôt, finalement, en juin 2020. Et on va faire tourner un POC jusqu'à février-mars 2021. Et là, on se dit, les résultats sont au rendez-vous et on a envie d'avancer et de passer à l'étape suivante. Donc, généraliser. Un POC, c'était sur 100 collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe si on généralise maintenant sur 1500 collaborateurs du réseau Expertise Conseil? On rentre dans la période un petit peu complexe, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur l'envie de le faire. Maintenant, il faut négocier. Il faut négocier avec des équations économiques qui sont celles des deux entités. On discute parfois un peu âprement et c'est tout à fait normal. Et on se met d'accord en gros en juin. On dit allez go, on lance les développements supplémentaires pour brancher un système qui était relativement autonome dans un SaaS géré par Testamento. Et là, on va le brancher au système d'information d'Alliance. Donc là, on y va. Hein. On va se connecter au CRM de la maison. Il est un peu ancien, donc qu'est-ce qu'il faut développer? Ce qui est super intéressant, c'est que ça nous oblige, nous, à développer des nouveaux connecteurs, des nouvelles façons de lancer, de démarrer les parcours Testamento. Donc, on souffre un peu là-dessus, mais on souffre ensemble. Et puis, on va aussi ajouter un périmètre fonctionnel hyper intéressant sur deux plans. Le premier, ça va être l'enrichissement fonctionnel de l'outil. Et on va être capable de gérer les clauses bénéficiaires démembrées. C'est une demande du réseau d'Alliance. Il faut qu'on soit capable de gérer des clauses bénéficiaires démembrées. Bon, c'est un terme un peu technique pour ceux qui ne connaissent pas trop. L'idée, c'est de séparer la nue propriété de l'usufruit. Je ne suis pas sûr que ça vous aide toujours autant, mais au moins, j'ai dit ce que c'était. Donc, on développe une brique spécifique avec des règles de fonctionnement pour que les réseaux puissent les utiliser en comprenant exactement ce que ça implique. Donc, ça, c'est un enrichissement fonctionnel qui va être utile pour les autres. Forcément. Et puis, une autre demande d'Alliance qui est super intéressante, c'est on fournit, nous, des reportings, mais Alliance veut des reportings plus puissants, plus complets, qui vont pouvoir être réinterprétés par des outils de BI internes. Donc, voilà, on a développé des composants spécifiques encore là-dessus. Donc, voilà, mise en production effective de la solution en mars 2022 sur tout le réseau. Donc, votre solution a bénéficié, on va dire, de la richesse fonctionnelle et des cas spécifiques d'Alliance. Il me semble que vous m'aviez dit aussi que les développements, du coup, l'avantage, c'est pour vous que ça avait été aussi notamment financé, du coup, par Alliance. Donc, Exactement. Cette souffrance de « il faut faire des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses », je le vois de façon évidemment positive, c'est parce que ces développements qui sont nécessaires pour Alliance, ils sont financés en partie par Alliance et ils vont donc faire bénéficier de cet enrichissement. Donc, c'est intéressant pour la startup d'avoir un cas d'usage réel avec un besoin spécifique. Et évidemment, on sait que quelques mois plus tard, cette solution va pouvoir avoir un apport de valeur supplémentaire sur le marché. Et donc, ça nous permet de bénéficier de cette nouvelle étape d'accélération. C'est de pouvoir dire, on a des nouvelles fonctionnalités dans l'outil. On a des nouvelles façons de se connecter à vos CRM un peu en soit récents, soit plus anciens. Et ça donne une capacité à déployer la solution sur d'autres réseaux pour nous plus vite. Et du coup, pour Alliance, quels sont les points positifs, les externalités positives? Alors, je ne reviens pas sur les fonctionnalités, mais peut-être juste de préciser que ces deux fonctionnalités,
que ce soit le pilotage ou les clauses spécifiques démembrées, sont des besoins marchés. Donc, ce n'est pas des besoins, parce qu'on pourrait avoir des besoins spécifiques. Hein. Dans les grands groupes, on est des spécialistes des micro-détails de spécialisation. C'est pour ça aussi qu'on a des systèmes d'information un peu compliqués. Donc là, c'était vraiment finalement une solution qu'on a adoptée, mais qu'on a fait upgrader. Donc voilà. Et quand tout à l'heure, je disais que quand Alliance travaille avec une start-up et notamment investit, et que c'est un partage non seulement de synergie de ce que ça peut nous apporter, mais c'est aussi le partage de ce qu'on peut demander pour faire progresser. Donc on est parfaitement dedans. Ceci étant dit, d'abord, quand on est un grand groupe, on manque d'agilité. Enfin, je pense que je ne vais pas faire découvrir à quelqu'un ce point-là. Donc de pouvoir travailler une start-up et de travailler avec une start-up, ça oblige à se reposer des questions sur sa propre organisation, parce que la start-up, elle n'attend pas 3 semaines pour prendre une décision qui peut se prendre en une demi-heure. Donc du coup, ça a créé beaucoup plus d'agilité. On était dans une période en plus où on mettait l'agile en place au sein de notre entreprise. Donc ça nous a accéléré dans notre façon de travailler. Donc ça, c'est un point qui est important. Le deuxième, c'est que clairement, on se remet en question après un projet comme celui-là sur la durée d'un POC. Il a été beaucoup trop long. Enfin, quand on fait un retour d'expérience, un REX en agile, ça, c'est voilà, la première chose qu'on se dit, non mais attends, tu as commencé là et tu déploies un an plus tard, enfin là, tu as un sujet. Donc ça, on l'a pris pour nous, y compris après dans la négo, mais ça, c'est la négo, c'est toujours un peu long. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est finalement la suite. La suite, c'est le déploiement. Et le déploiement s'est fait sans aucun nuage. C'est-à-dire quand on a déployé, donc là, on a 3 mois de recul. On a donc dans les réseaux Alliance, il y a un réseau effectivement spécialiste hein, de conseillers patrimoniaux. On a des réseaux d'agents généraux et puis on a évidemment du courtage. Ce réseau spécialiste, c'est 1400-1500 conseillers. Donc, il faut les emmener. Aujourd'hui, au bout de 3 mois, on a quasiment 50% de nos conseillers qui utilisent la solution. C'est 400 clauses bénéficiaires par mois de produites avec 84% de signatures électroniques. Ben moi, c'est ce que j'appelle une réussite, un lancement réussi. Et au fond, le temps pris sur le POC, même si c'était trop long, parce qu'on doit pouvoir l'optimiser, c'est un résultat en production qui est sans nuage. Et ça, c'est ça la réussite du projet, au-delà de ce qu'on apporte à nos clients. Les retours qualitatifs de nos conseillers, c'est quand on arrive et qu'on propose et qu'on discute de la clause bénéficiaire et qu'on remet le document avec la clause bénéficiaire, on se différencie de ce que peuvent faire les banques. Pour un assureur, c'est hyper important sur le patrimoine. Et donc, du coup, clairement, on a réussi et on a réussi ensemble. Et c'est ça qu'il faut souligner. Ce n'est pas une réussite du réseau. Il faut qu'on continue, il faut qu'on aille chercher les bénéfices qu'on a mis en avant. Mais je pense qu'on a une réussite commune, au-delà du simple investissement. Et moi, c'est ça que je retiens. Donc, la valeur par l'usage. La valeur, la création de valeur, réellement, par une synergie bien identifiée, une volonté d'y aller, des adaptations et de l'agilité de part et d'autre, parce qu'on n'est pas dans les mêmes mondes. Et puis, une vraie analyse de qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, quand on le veut, et partager. Et en se disant les choses. Et alors, du coup, on a envie de savoir... Tu veux rebondir mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ces bénéfices, ce qui est super intéressant, nous, on travaille déjà avec pas mal de grands comptes. Hein, donc, ce n'est pas un premier projet. En revanche, on a un niveau d'exigence qui est très important et qui, ça fait grandir très, très fortement une start-up de bosser avec une boîte comme Alliance. Vraiment, c'est-à-dire qu'on doit muscler nos processus, on doit s'adapter à ces process qui sont en cours de mise en place. Et si on ne le fait pas, en fait, les startups qui se plaignent, j'en entends beaucoup, les grands comptes, ils sont lents, ils ne comprennent rien, ils vont trop, enfin, ils ont des technos anciennes, il faut faire quelque chose, il faut s'adapter, il faut construire, il faut comprendre. Et il ne s'agit pas juste de rentrer dans une mode d'opposition stérile, au contraire, il faut aller construire, et ça a fait énormément grandir. Nous, on est vraiment ravis de tout ça. Super. Une vraie relation gagnant-gagnant. Et du coup, on a envie de savoir, mais quelle est la suite ? Donc, la solution a été déployée, est utilisée. La suite, c'est on a d'autres réseaux. Donc, on a notamment notre réseau des agents généraux qui, aujourd'hui, évidemment, regarde ce qui se passe dans le réseau salarié. Et puis, il y a toujours un peu de concurrence. Donc, nous dit, alors, c'est quand pour nous ? Donc, ça, c'est un premier axe sur lequel on va travailler. Là aussi, on n'est pas sur les mêmes systèmes d'information, donc ça repose des questions techniques.
Le jour où on aura une seule plateforme pour tous nos commerciaux, ça sera beaucoup mieux. Ça va arriver, hein, mais ça prend aussi un peu de temps. Et puis ensuite, la vraie question, donc là, je suis vraiment dans la création de flux, hein, c'est pour aller créer du business. Et puis, on a un deuxième axe qui est l'expérience client, évidemment. Tout ce qu'on peut offrir à nos clients en self-care, il y a une vraie valeur à utiliser cette solution-là en complément, parce que nous, on pense qu'on est vraiment dans le figital. Hein, donc, on a à la fois les conseillers, les réseaux propriétaires qui sont en proximité avec du conseil, mais il y a aussi l'offre par le digital avec un espace client développé. Et donc, ça, c'est le deuxième axe sur lequel on va aller et sur toute notre stratégie de digitalisation et d'expérience client, c'est sur notre chemin. Super. Un mot pour conclure ? Virgile, vas-y. Non, mais pas d'éléments particuliers. Je pense qu'on a couvert assez clairement un use case. Pour moi, c'est hyper important pour des startups de savoir s'adapter à travailler des grands comptes, sinon de toute façon, elles ne se développeront pas. Et puis effectivement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à faire ce projet dans une phase Covid. C'est vraiment très, très complexe. Et malgré tout, on a réussi à conserver cet entrain, cette agilité qui était nécessaire. Donc, c'est des périodes où, après, on est très content. On va fêter, d'ailleurs, prochainement. On va fêter, c'est planifié, on a la date. Et en fait, voilà, il faut fêter ce genre de collaboration parce qu'elles ont pris du temps, elles ont mûri et elles sont maintenant lancées. Donc, c'est cool. Super. Des questions ? Question plutôt adressée à Testamento. Il y a maintenant beaucoup de solutions en technologie émergente sur la blockchain qui garantissent la sécurité des données et tout ça, les testaments. Quelle valeur ajoutée Testamento a offert à Alliance au lieu, par exemple, d'adopter une autre solution en blockchain? Merci. Pour moi, il ne faut pas se tromper. La blockchain, c'est un outil, ce n'est pas une solution. La blockchain, c'est une nouvelle façon de sécuriser, sanctuariser des données ou des chemins de données. Finalement, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un parcours digital qui permet aux conseillers de générer la clause qui correspond aux besoins du client. Donc, c'est un applicatif. Et on aurait très bien pu, au lieu de faire une signature électronique, remplacer ça par une blockchain. Ça aurait pu être possible, ce n'était pas dans ce qu'on souhaitait faire ensemble. Mais voilà, pour moi, je trouve un très intéressante cette blockchain. Elle apporte beaucoup, beaucoup de choses, mais ça doit rester un outil. Et ça doit rester un outil qui est adopté par les différentes parties. Aujourd'hui, quand on parle à un client de la signature électronique, il comprend. Si on lui parle de la blockchain, il ne comprend toujours pas. Il va comprendre que Bitcoin s'est cassé la gueule il y a quelques semaines, mais on est encore assez loin. Et ça ne veut pas dire que je ne crois pas en ces technologies, hein, j'y crois très très fortement, mais je pense qu'en termes de pédagogie, d'accès au grand public, on est encore un peu loin. Je sais, bien sûr, je fais bien la distinction. Moi, je la fais, mais je pense que le grand public ne la fait pas encore tout à fait. Je vais juste compléter d'un point de vue business, parce qu'en fait, là, on est sur la partie technique, mais ce qui ne se voit pas pour un client n'a pas de valeur. Donc, il faut aussi avoir une création de valeur qui soit compréhensible du client. En tout cas, pour nous, c'est extrêmement important. Donc, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui va nous aider, il faut qu'il y ait une réalité qui soit derrière, palpable. La maturité aujourd'hui, en tout cas, je vais parler de nos clients à nous, ou de nos prospects, ne permet pas de pouvoir utiliser à plein et complètement et jusqu'au bout, en process end-to-end, l'ensemble des technologies que l'on a. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit qu'on doit être dans le rythme de la capacité de nos clients à prendre en compte ces technologies dans la réalité. C'est ce qu'a dit Virgile sous l'aspect technique. Sur l'aspect business, c'est une évidence. En fait, c'est sportif. Merci. Je m'interrogeais juste sur la marque. Est-ce que du coup, c'est Testamento by Alliance ou c'est une marque blanche et le client, qu'est-ce qu'il voit ?
Alors oui, les clients peuvent voir du Testamento, mais Testamento, c'est vraiment la marque de la société et la technologie qui leur est mise à disposition. Eux, ils retiennent, c'est une désignation de bénéficiaire et c'est Alliance qui porte en marque blanche la solution. C'est ça. Juste en complément, donc effectivement, Testamento n'apparaît pas, mais il faut savoir que l'association souscriptrice des contrats épargne, qui s'appelle Ancre pour Alliance, a aussi sur sa plateforme d'accès à ses adhérents, donc ceux qui souscrivent nos contrats, des services de Testamento. Donc il y a quand même des petites boucles par ailleurs qui permettent de mettre en avant Testamento pour les clients Alliance. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie. Merci à tous les couples de start-up grand compte qui étaient présents au sein de ces collabs. Juste en un mot, hein, clairement, moi, ce que je veux retenir aussi de ma vision personnelle, c'est je vais être un peu trash, hein, clairement. Les grands comptes aujourd'hui, ils aiment bien innover. Voilà, c'est clairement rester assis derrière une montagne de cash, c'est pas suffisant. Faut malgré tout, vous n'allez rien perdre, je vous rassure, il y a de la place pour tout le monde, il y a un marché pour tout le monde. C'est pour ça que les startups existent aujourd'hui, il y a les fintechs qui existent aujourd'hui, il y a les insurtechs, regtech, proptech, amtech qui existent aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, vous pouvez avoir beaucoup de synergies, de partenariats stratégiques, au lieu de racheter une startup, mais plutôt collaborer avec. On a pu voir ces 5 couples aujourd'hui qui ont justement apporté une plus-value justement à la société, au grand compte, sans forcément avoir de problèmes majeurs dans le sens où c'est un concurrent direct, je vais le racheter, etc. Non, au contraire, faut collaborer avec ce genre d'entreprise. Voilà, donc moi, j'invite vraiment les grands comptes aujourd'hui à venir parler, discuter au travers de tous nos événements au sein de Finance Innovation. D'ailleurs, mi-septembre, nous organisons pour les membres du pôle les rendez-vous FinTech. Donc, ça revient. Les rendez-vous FinTech qui consistent à faire des reverse pitch justement auprès des FinTech. Donc, ce sont des grands comptes, des cabinets de conseil, des entreprises de services numériques qui proposent leurs solutions, qui proposent des synergies ou des appels de partenariat justement avec ces FinTech dans le but justement de faire des collaborations, des partenariats stratégiques avec. Voilà. Je tenais à remercier tous les modérateurs, les participants qui étaient présents, que vous soyez en ligne ou en physique. Merci à tous. Je tiens à remercier grandement Hugo Saad, que c'est son dernier jour aujourd'hui au sein du pôle. Tu peux venir ici, s'il te plaît. Merci, on va tous l'applaudir. Voilà. t'as fait un grand boulot au sein de... Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais c'est pas grave. Ça fait 2 ans que tu étais au pôle. Donc, tu as fait un très joli boulot au sein du pôle Finance Innovation. Tu as apporté une nouvelle fraîcheur. Tu as apporté une nouvelle dynamique au sein de Finance Innovation. Je tenais à te remercier personnellement et à l'équipe du pôle. Je pense que toute l'équipe du pôle est en phase avec moi. En tout cas, je tiens à te remercier pour ce que tu as fait à la gestion en finance d'entreprise. Donc, toutes les startups qui sont présentes sur la gestion et finance d'entreprise, ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est super. En tout cas, merci à toi, merci pour tout ce que tu as apporté. Et merci d'avoir été un tandem de choc avec moi au sein des collabs. Et voilà, je tenais à te remercier. Merci à tous et bon courage.